Salut la team, bienvenue sur ma chaîne Brewen Fishing. Aujourd'hui on va traquer le brochet en canal. Les conditions sont plutôt adéquates. Il fait beau, il y a du soleil, l'eau, ce que je vois, elle est plutôt claire. J'ai bonne foi. On va voir ce que ça vaut. Donc on se retrouve au bord de l'eau. Espérons que les brochets soient actifs. Allez, à toutes. Là je viens d'arriver sur le spot. Pour commencer, je pêche avec un Divinator en 55 grammes Call of Blanc. On va voir ce que ça vaut. Il y a déjà 2-3 petits herbiers, je suis sous le pont. On va voir s'il y a du fish, on va essayer. C'est parti. Là je viens de m'acheter un tout nouveau moulinet. Je fais un petit montage en fluorocarbone. On verra ce que ça donne. Let's go. Il n'y a pas beaucoup de fond là, j'ai gardé la canne assez haute. En tout cas leurre il se voit bien là, là c'est pas mal. Divinator, on va voir ce que ça vaut. C'est parti. Allez. Ah mais c'est que là, il y a une vie. Mince. J'avais pas vu, mais en fait, il y a un autre pêcheur qui avait mis son bouchon juste là devant. J'espère que j'ai pas le touché. Ah non. Ah, je crois que c'est bon. Yes, je me suis pas pris. On peut continuer. Mais ouais, j'avais pas vu en fait, ils sont en train de pêcher juste à côté de moi là. Bon, j'ai un peu insisté sous le pont là, il y a souvent des zones où on va avoir quelque chose. On va essayer. Oh, oui, poisson. Yes. Ouais, non, qu'est-ce que je disais? Sous le pont. Oh purée. Oh, je suis tombé, putain. C'est pas très très gros, mais c'est un poisson quand même. Oh, approché. Yes, c'est un petit pike. Oh, il a engamé le leurre. Oh mon dieu, il me l'a engamé. J'en reviens pas. Regardez la taille du brochet, il a engamé le leurre. C'est un truc de malade. Purée, quelle adrénaline. Comment bien commencer sa session, quoi. Waouh. Bon, c'est un brochet, il fait à peine 30, hein. Pas très gros, je vais vite le décrocher. Vite le remettre à l'eau, mais comme il m'a engamé ça, je suis tombé sur les pierres, là. Incroyable. Je pouvais pas mieux commencer. Allez, à vivre. Voilà, il est juste là. Voilà, c'est tout bon, il est là. Quelle d'émotion. Tiens là, mon leurre. Et il était tout neuf, ben il a pris cher. Hein. Oh là là, ce petit brochet qui m'engame un leurre de cette taille, c'est assez impressionnant. En tout cas, la session commence bien. Bon, je vais reprendre ma puisette qui sont plus proches de moi parce que. Avant, heureusement qu'il était pas très gros, mais là, à 2-3 mètres de moi, je dis, s'il était plus gros, j'aurais déjà été un peu embêté. On va dire que cette fois, ça passe. Allez, on décale un petit peu. Oh. Une chose que j'ai remarqué, c'est que là, il nage un peu de travers à cause de la prise. Mais bon, il pêche toujours autant. Ça va aller. Bon là je suis quand même dégoûté parce que je viens de taper un beau break et la caméra il restait plus que 2-3% de batterie et genre au moment où je l'ai tapé ben elle s'est éteinte et en plus il s'est décroché donc là je suis quand même ouais voilà. Mais bon maintenant on va changer d'accu puis on va essayer de le retaper puis on verra comment ça se passe du coup bah let's go.
Bon bah du coup c'est là où j'ai loupé le beau brochet, il devait faire 60-70 cm. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont prendre. Et voilà quoi, en tout cas ouais, je suis un peu dégoûté parce que celui-là il était beau, hein, il était beau. Bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Je crois que j'ai une tape là. Je crois bien que j'ai une tape. Oh là là. Ouais, je suis même quasiment sûr que j'ai une tape. On va voir si ça reprend. En tout cas, le vent là, il s'est bien levé. Là, je crois que j'ai quelque chose à taper. Je vais essayer de faire la zone un peu en quadrillage comme ça. Tac, 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 tac. Deux, trois fois. S'il n'y a rien, ben voilà quoi. Je suis quasiment sûr que quelque chose à taper. Je peux insister dans la zone. On verra, on verra. En tout cas, ça a l'air bien actif là. Oh mais c'est pas possible. J'ai retapé et après je me suis pris dans les algues. Oh non 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 non. Pas deux fois hein. Allez 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 allez, faut que je le sorte. Passé sur Divinator en 35 grammes, coloris jaune, noir et un petit peu de rouge, histoire de voir si ça prend sur l'autre coloris. Là, j'ai pas trop eu de retape sur le blanc. Puis, vu que ça s'est un peu assombri, je me suis dit un petit flash jaune pour essayer de changer. On essaye, on va régler plaisir quoi. Du coup, on va voir si avec ça j'attrape encore un brochet. Faut insister avec ça et que ça, la persévérance, lancer, 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 et on verra. Que l'avenir me réserve. Je peux enrouler trop vite. On verra s'il y a un bruit qui tape. Ah, oh, j'ai pris mes algues. Lancer lent. Oh, un bouchon. J'ai trouvé un petit bouchon. Bon, on va le garder. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais là il y a un gros remous juste devant moi. Ça fait 5 minutes que je pêche là. Oh là là là, je fais que de lancer, il n'y a rien qui tape. Et là, à 3 mètres de moi, il y a un gros remous. J'espère qu'il va prendre. Allez, allez, faut y croire, faut y croire. J'ai essayé de le prendre à revers de l'autre côté. En tout cas, le froid s'installe. Hein. C'était vraiment beau le remous là. Je sais pas ce que c'était, mais si c'est un brochet, c'était un beau. Let's go. Là, il y a pas mal d'herbiers là dans le coin. Allez, un petit dernier pour la route, ce serait magnifique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au final, si on fait un petit résumé, j'ai eu un brochet en tout début de session. Je vais faire en 35 et 40 cm. Pas très gros, mais il m'a engamé le leurre, c'est un truc de malade. En tout cas, ça m'a bien fait vibrer, surtout que je suis tombé. Sinon, un brochet de loupé. Hélas, la caméra, j'avais plus de batterie. J'ai pas pu vous montrer ça. Et après, ben, j'ai essayé un peu de changer de leurre. J'ai mis ma cuillère, ma MEPS et le spinnerbait. Mais pas de résultat là-dessus. En tout cas, sur une petite session de 2 heures, c'était plutôt cool. Et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo.